Salut tout le monde, ici Mariam pour le Québecscope. Aujourd'hui, on fait la visite d'une grande propriété avec un immense terrain, avec un lac privé. C'est un réel petit domaine. Allons voir Marc Bonenfant, courtier immobilier de l'équipe Marc Bonenfant, Royal Lepage. Marc, aujourd'hui, nous sommes dans une propriété qui est assez récente, une construction de 2011. Oui, on est dans une maison qui est pas tellement vieille. On parle d'une maison de 2-3 ans. Ici, c'est intéressant parce que c'est un petit domaine. Hein. On parle pas seulement que d'une maison. Oui, c'est un beau gros cottage unifamilial, mais c'est surtout la maison pour les gens qui sont en quête de quiétude. Alors, on a un terrain qui est absolument énorme, tout près de 100 000 pieds carrés, qui est vraiment intéressant. On a un petit lac privé. Le derrière est tout aménagé en pelouse, et puis l'hiver, ça arrive souvent qu'on peut voir des chevreuils même venir sur le terrain. Alors, c'est une maison vraiment le fun pour la petite famille. C'est un cottage qui a 3 chambres à l'étage, 3 grandes chambres d'ailleurs, des belles dimensions de pièces. On a une salle de bain vraiment intéressante avec douche en céramique, tout ça qui est attenante à la salle de la chambre des maîtres. Et puis, fait très intéressant de la propriété, c'est vraiment à air ouverte. Là. Au niveau du rez-de-chaussée, on a le foyer derrière nous, on a un foyer double face qui donne dans le salon et dans la cuisine salle à manger. Et puis, tout le reste des pièces sont ouvertes. Alors, on tourne alentour du foyer dans la maison. C'est vraiment intéressant. C'est très, très, très lumineux aussi. Hein. C'est très éclairé. On a de la grande fenestration. Marc, c'est le fun. On se retrouve au salon et on a une vue imprenable sur les pentes, vraiment avec une belle fenestration, de la belle luminosité. Oui, c'est le fun parce que le terrain étant tellement grand ici, peu importe où est-ce qu'on est situé dans la maison, mais on a du terrain tout le tour. Quelqu'un qui serait intéressé d'élever des petits animaux ou bien d'avoir des chevaux à la maison, ici, c'est permis. Et puis, on pourrait avoir, avec le terrain qu'on a, effectivement, on pourrait avoir des chevaux ici. Souvent aussi, pour les amateurs de motoneige, de quatre roues, on a un accès directement aux pistes fédérées très près. Et puis, le sous-sol est aménagé complètement ici, une grande pièce avec une partie qui n'a pas été fermée, qui pourrait devenir une chambre, mais eux autres ont préféré garder une grande pièce. Et on a une salle de bain complète. Un des facteurs le plus intéressant de cette propriété-là, outre le fait qu'on est sur un domaine, qu'on a un énorme terrain, c'est les garages. On a un garage double qui est construit avec une dalle structurale. Donc, on peut rentrer au niveau du rez-de-chaussée, mais on rentre par l'arrière aussi. Donc, on a 18 pieds de garage. On peut à toute fin près rentrer 2 voitures, mais on a le même garage au-dessous. C'est un garage qui est sur 2 niveaux. Les gens peuvent remiser l'hiver ou il y en a qui s'en servent aussi tout simplement comme rangement ou comme partie atelier. Donc, c'est une maison qui a plusieurs caractéristiques pour faire rêver les gens. Merci beaucoup, Marc. Ce fut un plaisir. Alors, si ce petit domaine vous est tapé dans l'œil pour consulter sa fiche ou pour une demande de visite, je vous invite à aller sur le site web marcbonenfant.com.